Donc voilà Grégory qui arrive sur le final. Donc il va se mettre face au vent. Pour venir poser en sécurité devant vous. Et vous pouvez l'acclamer. Le deuxième parachutiste avec les armoiries de Sainte-Mère-Église. C'est Damien. Donc Damien est mon adjoint. Il sort avec la voile Saint-Cyr-Couette-Quidan. Il est moniteur parachutiste et il forme les parachutistes en formation humaine pour la gestion du stress pour les sauts. Damien qui est en train d'arriver avec le drapeau aux couleurs de Sainte-Mère-Église. Voile Saint-Cyr-Couette-Quidan. Vous pouvez applaudir très fort Damien. Donc FX est en train de se positionner également pour faire sa prise de terrain en vue. Donc FX du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Bravo. Alors Yannick, je travaille souvent avec lui puisqu'il saute avec moi régulièrement sur le Stade Rennais ou sur d'autres plateformes, 14 juillet à Paris et autres, tout comme Grégory, le premier qui est tombé.
donc avec son drapeau bleu, blanc, rouge. Le deuxième parachutiste, juste au-dessus, Bruce, qui appartient également à l'école des troupes aéroportées et fait partie de l'équipe de démonstration de l'armée de terre, qui est moniteur parachutiste à l'école des troupes. Il saute également régulièrement sur des sauts très techniques comme le Stade Rennais. Bravo Yannick. Vous pouvez les applaudir très fort. Bruce est également paraprofessionnel, puisque souvent nos parachutistes cumulent des qualifications et militaires et civiles. Donc Bruce va arrondir pour poser en douceur. Regardez bien ses mains, il arrondit sa voile de façon à arriver en toute sécurité. Je vous demande de les applaudir très fort. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce type de saut est très complexe. Ça demande une concentration et une pratique régulière de l'activité parachutiste. Et je tenais à les remercier de leur professionnalisme.